le député maire de Nice, le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, cher Christian Estrosi, mes chers collègues parlementaires, nombreux ce soir, madame le sénateur, collègue Michelin, monsieur le sénateur maire de Grasse, Jean-Pierre Leleu, monsieur le député européen de la France-Franco, mesdames, messieurs, mes conseillers généraux, très nombreux, pour cette occasion, en entourant de leur amitié leur premier vice-président Charles Guinetti, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des administrations, qu'elles soient d'État, qu'elles soient départementales, qu'elles soient communales ou intercommunales, et puis vous toutes et vous tous, chers amis, qui êtes venus ce soir entourés de votre amitié, mais aussi, je le sais, pour beaucoup d'entre nous, de votre affection, Charles Guinetti qui recevra dans quelques instants l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur des mains de Christian Estrosi. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ce soir dans ce palais Tarbes, siège historique du Conseil général des armes maritimes, et d'y accueillir pour ce moment ô combien important où la République va saluer de sa plus haute distinction les mérites éminents de Charles Guinetti. C'est une joie de pouvoir vous accueillir et vous le permettrez d'accueillir autour de Charles Guinetti ses proches et sa famille. Et je veux bien sûr ici saluer ce soir avec beaucoup de respect et d'amitié celui qui a porté pendant de nombreuses années les destinées de notre département et qui nous a précédé avec Christian Estrosi à la présidence du Conseil général. Je veux saluer bien sûr le sénateur Charles Guinetti, son épouse et puis bien entendu Geneviève Guinetti qui est ici avec les trois filles de Charlant, les trois maris qui portent le plus beau des prénoms, mais aussi les prénoms maris, comment pourrais-je porter notre appréciation, Marie-France, Marie-Claire et Marie-Amélie, qui est un beau prénom pour cette belle et grande famille qui est ce soir unie et rassemblée autour de Charlant. C'est un moment d'amitié et d'émotion qui nous réunit. Et je veux, avant que Christian Estrosi ne prononce l'éloge du récipiendaire, comme le veut bien entendu cette tradition républicaine, exprimer ma joie et lui exprimer notre reconnaissance. Ma joie de voir Charles Guinetti distingué par cette croix de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur, distinction la plus prestigieuse de notre République, distinction qui a bien voulu lui décerner Monsieur le Président de la République sur la proposition d'un ministre qui m'est cher, Claude Guéant, et toutes les distinctions à ce niveau sont naturellement égales, mais être proposé par Claude Guéant, je crois, mon cher Charles, revêt sans doute une dimension encore un peu plus supérieure dans cet honneur qui s'est rendu par la République. Ce soir, je veux aussi exprimer notre reconnaissance, parce que tu incarnes finalement eh bien, cet engagement de ces élus départementaux, de ces élus conseillers généraux, maires, qui ont choisi le service des autres, qui ont choisi de servir l'intérêt général, qui ont choisi, parce qu'ils aiment plus que tout, de servir un territoire, de servir les Alpes-Maritimes, de servir les Alpes-Maritimes dans la diversité de ce département, de servir les Alpes-Maritimes de la mer à la montagne, de l'ouest à l'est du département, parce que les Alpes-Maritimes forment une formidable mosaïque
où chaque pièce occupe sa place et son rôle. Et tu représentes beaucoup de, des éléments de cette mosaïque qui fait rayonner le département des Alpes-Maritimes. Tu incarnes d'abord ces territoires de montagne qui sont chers à beaucoup d'entre nous ce soir. Ces territoires que, dans la continuité de Charles Ginelli, tu as perdu et que tu sers avec la générosité de ceux qui aiment passionnément cette commune de Péol-Malberg, où beaucoup de tes administrés sont là ce soir. Ce canton de Guillaume, cette communauté commune que tu présides du Tiantra, et puis plus largement, ces territoires de montagne, ces territoires qui occupent une place privilégiée dans le cœur de beaucoup d'entre nous. Et puis, Charles-Ange, tu sers aussi l'intérêt départemental, bien entendu, et c'est à ce titre que tu occupes les responsabilités de premier vice-président du Conseil général, à mes côtés aujourd'hui, comme hier, aux côtés de Christian Espoli. Ces responsabilités, tu les assumes avec compétence, avec efficacité, avec abnégation et avec une présence forte sur tous les territoires des Alpes-Maritimes. Tu exerces les responsabilités que j'ai souhaité te confier, notamment au niveau de la politique de la montagne, au niveau de la politique de l'agriculture, au niveau de cette continuité de l'aménagement du territoire qui a pu poursuivre eh bien, des engagements forts en faveur de l'équipement du numérique, de la télévision numérique terrestre, de la téléphonie mobile et aujourd'hui du très haut débit. Autant de dossiers pour lesquels tu es engagé au quotidien avec un regard juste et équitable sur toutes les composantes des Alpes-Maritimes. Ce qui voudrait, qui pourrait te caractériser, c'est cette volonté justement de travailler sans cesse avec une extraordinaire détermination et beaucoup de continuité sur l'harmonie territoriale dans votre département. C'est important, et je crois, ce soir de venir avec tous les maires qui sont présents, et je veux saluer les maires de l'ouest du département, très nombreux de l'arrondissement de Grasse, pour du sénateur maire de Grasse, le maire de Vence qui est ici, je vais ne pas tout féliciter, là, c'est un hasard, c'est un exercice périlleux, mais il y a beaucoup de maires qui sont présents et qui représentent ce soir tous les Alpes-Maritimes. Ce n'est pas un hasard parce que Charles-Ange est un élu qui, même s'il est solidement enraciné dans ce berceau, dans ce joyau de Valverde, bien entendu, il a su servir avec la même équité toutes les communes du département des Alpes-Maritimes. Et il le fait avec aussi cette gentillesse, cette proximité qui le caractérise. Je veux, au-delà bien sûr de cette reconnaissance pour l'engagement public et le tien, engagement public reconnu que soit par la République à travers ses responsabilités de maire, à travers ses responsabilités de conseiller général, à travers ses responsabilités de parlementaire. Je veux dire à Charles-Ange tout simplement mon amitié, ma confiance et ma fidélité. Une amitié qui trouve sa source dans nos premières rencontres en 1988, autour et derrière Christian Espoli. Une amitié qui nous a fait cheminer ensemble, juste peut-être au sommet du Mont Blanc, hein, tout ça, moi je n'étais pas arrivé. Bon, mais à l'époque, eux n'ont plus d'ailleurs. Mais
à cause de circonstances météorologiques, ils ne l'auront pas trouvé que d'arrière. En tout cas, on a partagé beaucoup de cette histoire politique du département qui a marqué et qui a écrit quelques-unes des pages qui ont orienté l'avenir des Alpes-Maritimes sur le chemin du progrès, de la modernité, de la croissance et de l'avenir. Et savoir on a toujours été côte à côte dans ces moments, importants, jusqu'à nous retrouver lorsque tu as remplacé Christian Estrosi à l'Assemblée nationale, et bien côte à côte dans les mêmes bureaux de l'Assemblée nationale, où j'espère, je le dis, t'en faire une phrase à la neutralité du moment où j'espère que nous retrouverons au printemps prochain. Je veux le dire c'est fortement ce soir, et bien, mon amitié, ma reconnaissance, ma confiance, et tout simplement exprimer au nom de tous mes collègues, conseillers généraux, nombreux, très nombreux ce soir, allez, je vais m'attarder à l'écouter Alain Frère, Gilbert Marie, Jean-Pierre Mascarelli, Gérard Antelli, Fernand Blanqui, Jean-Marc Lévia, Daniel Benchimol, qui sont ici, Pierre-Louis Moratini, Olivier Bétatis, Thierry Guéguen, je ne sais pas si vous l'avez cité, mais bon, Daniel Pécré, d'autres conseillers généraux sont en train de nous rejoindre, mais Benoît Lambert, bien sûr, en leur nom à vous, exprimer notre amitié, notre reconnaissance, notre fidélité, et je veux dire que cet esprit de famille qu'ont su instaurer tous ceux qui ont présidé cette belle assemblée départementale, cette assemblée de la solidarité humaine, mais aussi de la solidarité territoriale, comme ça a été le cas lorsque de Charles Guinée, qui présidait le Conseil général, comme ça a été le cas derrière Christian, et bien cet esprit de famille de la majorité départementale, et aujourd'hui qui m'invite pour s'exprimer cette reconnaissance et cette amitié, et j'y associe bien volontiers nos anciens collègues qui sont ici, le professeur René Gilly, qui permet de citer son successeur Roger Pierre, que j'avais oublié, citer Roger Duhal, premier vice-président du Conseil général, également, voilà, toute la famille des Alpes-Maritimes ce soir, en tout cas, une grande partie de ceux qui ont beaucoup donné, qui se sont beaucoup dévoués pour les Alpes-Maritimes, sont autour de toi, c'est légitime, c'est mérité, parce que tu incarnes aussi cet engagement viscéral pour cette terre que tu aimes et que tu sers avec passion. Ce soir, je veux, en notre nom à tous, avant de céder la parole à Christian Estrosi, exprimer et bien cette fidélité et cette force des liens de l'amitié en exprimant aussi à Geneviève, à Christine, à ta maman, à Charles Ginetti, et bien notre reconnaissance parce qu'ils ont su t'entourer et ils savent aujourd'hui aussi t'entourer de leur confiance et de leur fidélité dans des moments importants pour toi. Bravo Charles-Ange et sois rassuré de notre amitié et de notre confiance. Monsieur le Président du Conseil Général honoraire, Monsieur le Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes et cher Éric, je salue tous les élus qui ont été rappelés par Éric, bien évidemment, puisque il y a tant de visages avec lesquels nous avons parcouru tant de chemins, tant de routes, tant de montagnes, traverser tant de ruisseaux, et tant de randonnées, partager tant de convictions et de valeurs pour ce territoire. Salut bien sûr les parlementaires. Sentir le jeu des maires de Grasse, c'est important. Cette volonté de toujours unir la Provence et le comté de Nice. Comme le sénateur Winnec ou encore le collègue Kelly, qui s'est bien représenté ce soir, je trouve,
Merci Gaston Franco, notre premier député européen du comté de Nice et maire de Saint-Martin-Médubis. Remercier bien évidemment tous les conseillers généraux dont Eric a rappelé le nom et qui pour la plupart m'ont accompagné lorsque je suis cédé à Charles Génézy et qui sont tous dans mon cœur et qui continuent à faire partie d'une seule et même équipe au service du département des Alpes-Maritimes. Tant de maires du département rassemblés, mon cher Charles, ce soir, pour t'honorer à cette 21, je dois recevoir la douce distinction de la République et je veux saluer les maires de tous les territoires, là aussi dans leur diversité. Je salue les grandes intercommunalités, que ce soit ceux qui m'accompagnent dans cette aventure de la métropole de Côte d'Azur, mais aussi ceux des grosses autres intercommunalités, plus petites, plus au pays, qui montrent bien que tu sais fédérer autour de toi par l'action que tu mènes depuis maintenant de nombreuses années dans le département des débutants du littoral, que de la montagne tant de l'est du département que de l'ouest du département. Et cette unité me fait plaisir à saluer parce que c'est celle que nous avons toujours eu à cœur. En même temps, je veux dire avec mon cœur et ma part de vérité, j'essaie de me remémorer quelques petites années en arrière. Si on m'avait dit un jour, Charles, quand nous étions adolescents et un petit peu plus grands, vous ne me rappellerez pas tous les détails de ce que nous avons pu partager ensemble, sportivement, etc. Qu'un jour nous nous retrouverions dans cette situation qui dépasse cette fois-ci l'amitié, parce que ça n'est pas l'ami qui va remettre la plus distinction de la République à votre ami, c'est celui qui est mandataire du président de la République pour le faire à un élu important et prestigieux et que nous avons combien la grande chancellerie dans notre pays est extrêmement vigilante pour que ce genre de distinction ne soit pas accordé dans n'importe quelle condition. Mais en même temps, c'est vrai, lorsque nous étions bousculés par le vent de la ville mouillée ou du pénibre, lorsque nous montions ensemble en vélo la vallée du Sion, lorsque nous nous retrouvions dans le paddock du circuit du Castellet, où je courais des épreuves de championnat du monde de moto et où j'ai été un des premiers supporters, est-ce que nous pouvions imaginer un jour nous retrouver sous les ordres du Palais Tard dans les responsabilités respectives que nous exerçons donc? Je crois que si on nous avait raconté cette histoire, personne n'aurait pu la croire, ni imaginer, ni la penser. En même temps, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance. Que tu sois mon ami simplement par le hasard des rencontres de la jeunesse. Et rien d'autre. En descendant en ski ensemble, en retrouvant dans les compétitions départementales ou régionales de ski sur les pentes de Val-d'Aire, j'ai eu beaucoup de chance que tu deviennes mon ami. Et je veux dire pourquoi j'ai eu beaucoup de chance que Charles trouve un jour sur mon chemin et devienne si jeune mon ami. Parce que ça m'a permis de me retrouver aussi si jeune à cette grande salle familiale des Ginés. Et lorsque je me suis retrouvé pour la première fois à la salle familiale, présidée par Charles, par Georgette et par Foubétien, bien évidemment, d'écouter Charles nous raconter l'histoire, ses rencontres, son parcours, les grandes personnalités qui avaient versé aussi sa jeunesse, depuis la 4e République, avant de rentrer dans la 5e, tous ces hommes prestigieux qui avaient guidé aussi son parcours, qui l'avaient engagé tant dans la résistance que dans sa volonté du service public comme instituteur de la grande école de la République. Et de se dire qu'à un moment, en pleine hémorragie démographique de notre pays,
l'instituteur de Péron-Bolberg avait peut-être quelque chose à faire pour essayer de sauver cette montagne, les Alpes-Maritimes. Oui, j'écoutais tout cela, et cela me versait sans doute avec foi, mais tu l'entendais depuis la toute tendre enfance, un de rêve, plein d'espérance, de me dire qu'il y avait des hommes qui pouvaient avoir autant de foi et avoir envie autant de servir un territoire tel que le nôtre, dont la géographie est si contrastée, où les difficultés d'un monde paysan, d'un monde d'éleveur, d'un monde pour lequel la montagne est si dure, elle est encore aujourd'hui, et en même temps cette confrontation avec un monde urbain, quelquefois très égoïste. Oui, j'ai été bercé de tout cela grâce à notre amitié et grâce à ces rencontres. Et j'ai compris qu'il y avait effectivement, là où on décrit si facilement l'homme public dans notre société, des hommes et des femmes d'exception qui méritaient que l'on suive aussi leur voie et qu'on se laisse convaincre qu'on pouvait à un moment de sa vie se donner pour une grande cause et aller au-delà de soi-même. Donc voilà, c'est toutes ces chances que une rencontre de jeunesse et une amitié partagée mais aussi de nous. Et donc, si je n'imaginais pas, même dans ces instants où, au fond, cela ne faisait que travailler mon subconscient, et nous continuions à avancer ensemble, passionnés par le sport, jusqu'à faire une équipe de cartes avec notre ami Patrick Tombé, grand champion de Formule 1, on a même réussi à faire troisième aux 24 heures de Grignol. Pourtant, on n'était pas déçus la trace. Donc c'était pas mal. On était fiers. Quant au Mont Blanc, Eric en a parlé, c'était resté pour moi une très très frustration. 1989, les jeunes pleins de certitude, en plein cœur des élections européennes, on a dit on va aller porter le drapeau européen au seuil du Mont Blanc. Voilà comment on peut faire campagne. Et puis, on est parti. À l'époque, l'Europe, c'était 15, je crois. Oui, c'était 15. Donc, on est parti à 15 jeunes. Bon, il y en a qui, au bout de 1000 mètres de dénivelé, ils ont un peu quitté en chemin. J'ai retrouvé à 11, puis à 7, puis à 6, puis à 5. Mais non, on est arrivé jusqu'au pied, hein. Jusqu'au pied, à Valo, il y avait le brouillard, les nuages qui étaient là sur la ligne, 300 mètres au-dessus, qui nous restaient effectués et qui nous ont fait faire demi-tour parce que notre guide ne l'a pas voulu. Alors je me suis battu quelques années plus tard pour essayer de venger cet échec et je suis assez heureux d'y être parvenu. Enfin, tout ça, c'est des vrais souvenirs. Quand on a partagé tout ça, la rudesse de la montagne, les étoiles, la souffrance, mais en même temps la joie, tout simplement de montrer qu'on est plus solidaire dans ces moments-là. Comment on peut voir que quand on s'engage dans la vie publique, qu'on ne continue pas à faire équipe en soi. Voilà. Et donc, même si j'ai démarré la vie publique plus tôt, même si Charles a fait partie de ceux qui m'ont accompagné, notamment lorsqu'en 1988, il a fallu, dans ce nouveau découpage territorial, présenter un candidat dans cette circonscription de montagne entre Nice et l'ensemble de nos vallées du Haut-Pays, le Sion, le Var, les Lauvas, la Tinée, la Vésubie, ou même jusqu'au Paillon, ou encore à l'Espéron, cher Pierre-Guy, de l'autre côté, à Paris qui paraissait impossible avec un formidable canton du Souris, mon cher Amantès, qui perdait le lien entre la Cité des Moulins et l'ensemble de ces villages, eh bien, Charles, on a parlé des mots, a été à mes côtés. Et je me rappelle, Charles, quand tu étais au volant de ta fille, qui était à côté de toi, et dans la même journée, on a souffert, hein, tout. Paul, on a commencé par la nuit, on est allé chez Roger à Saône,
Puis nous sommes allés bien sûr à Péone, grande capitale de l'Alpes maritimes. Il en est. On est monté à Châteauneuf-d'Anthône, en passant par Saint-Martin-d'Anthône. Il est pensé que l'on en fait un champ qui nous a quittés il y a quelques jours de cela. Villeneuve-d'Anthône, Anthône, comme la Cayolle, bien évidemment, sans oublier de l'autre côté, Beugles et l'Aude, et bien évidemment Valverde, qui a été le fruit d'une volonté d'unir Guillaume, le chef-lieu, et Péone, pour en faire une des stations les plus prestigieuses du département des Alpes-Maritimes. On oublie vite tout ça, c'était il y a quelques décennies seulement, et pourtant il avait fallu une volonté tellement forte et tellement acharnée pour réussir tout cela. Voilà, puis à un moment, un grand Charles s'est engagé comme président à la fois de l'Office du tourisme, du comité des fêtes, de l'ensemble des associations qui ont voté, de l'école de ski, qui ont voté des associations sportives, culturelles, permettent de soutenir, de créer, d'innover, d'apporter sa part d'imagination et de créativité dans ces années qui défilaient et qui nous permettaient de voir un lieu qui était encore ancré dans la plus profonde ruralité se rapprocher du littoral grâce à l'amélioration des voies de circulation. Donc on peut dire que l'œuvre du science est une œuvre tout à fait extraordinaire que chacun voit à Charles Ginesi. En fait, si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons, sur le même modèle, emprunter la Tinée, la Vésuvie et les autres grandes vallées, parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à innover pour le désenclavement du haut pays. Ça a été une grande chance pour nous. Je le dis en voyant tous ces élus du département des Alpes-Maritimes, puisque à la pénétrance de Grasse, mon cher Jean-Pierre Leleu, et en montant vers Saint-Auban, et le reste du haut pays, en saluant Roger Dual, qui était lui aussi un grand président du Conseil Général. D'avoir des élus de la montagne qui systématiquement président aux décidés du département. Je ne cesse de le dire, vous savez, à un moment où le poids de l'urbanité a cessé de prendre le dessus sur l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes, s'il n'y avait pas eu systématiquement la conscience d'une majorité de conseillers généraux, qu'ils soient de la ville ou qu'ils soient de la ruralité, pour permettre à un président du conseil général d'être issu des rangs de la ruralité du département des Alpes-Maritimes, je pense qu'il y aurait aujourd'hui un enclavement total de ce haut pays. Nous avons ensemble lutté les uns derrière les autres. Charles a tracé la voie, sans doute grâce à la confiance aussi. Dans un certain sens, il faut le dire ici, qui avait voulu en faire son premier système sans oublier cet équilibre. Et derrière, ce fut le conseiller général de Saint-Étienne de Ciné, ma chère Thérèse, un autre élu de la montagne qui a pris la suite. Et puis derrière, j'avais voulu, comme Charles Ginesi l'a voulu, ce fut le conseiller général de Saint-Martin-les-Églises, avec le soutien de Gaston et un personne d'Éric, qui a pris cette suite pour qu'il y ait vraiment toujours ce lien et cette solidarité qui frappe aujourd'hui à ceux qui voudraient, comme ils l'utilisent dans leur propos, voir un avant-mètre-là et un après-mètre-là, ou un avant-pays grassois, un après-pays grassois. Nous avons toujours réussi à lutter contre cela pour qu'il y ait une seule unité d'être en ouest et de la Méditerranée jusqu'au sud du Mercantour. Et tu es forcément celui qui s'est inscrit dans ce prolongement, qui, ayant cela dans ses gènes, a cessé de poursuivre ce combat avec moi, et je veux t'en remercier aujourd'hui, d'abord à deux titres, au Conseil Général, où tu étais mon premier vice-président avant d'être celui d'Éric, et celui en charge de la montagne, et en même temps d'accepter d'être mon suppléant, par trois fois t'a conduit à siéger au Parlement de la République, à être député, les trois occasions qu'il m'a été offerte de siéger au gouvernement de la France, ce qui m'a permis systématiquement d'apporter la garantie
à tous nos amis élus, maires de votre département, que tout en siégeant au gouvernement, la continuité de la défense de la montagne était assurée tant au Parlement qu'au gouvernement, puisqu'ensemble on a été encore plus forts et qu'avec David qui nous a rejoint en 2007 et les sénateurs qui ont fait leur entrée qui sont autour de nous aujourd'hui, bien évidemment, nous avons démontré là aussi que nous représentions parfaitement cette géographie. Alors, je voulais te dire combien j'avais été heureux de faire cette équipe avec toi, mon cher Charles. Puis en même temps, bon, il faut construire son propre parcours, ta volonté, ta ténacité. Je le dis aujourd'hui, même si je m'empêchais d'y dire quelque chose de très fort de Charles Ginesi, il y a avant tout ce soir la personnalité de Charles Ginesi qui s'est fabriqué, qui a tiré les plus grandes leçons nécessaires et qui s'est forgé sa propre personnalité. Je me rappelle de ta première élection comme maire. J'étais à tes côtés. Nous étions sur la place de Béot, un dimanche après-midi. Et puis, il y avait le père sortant, le sénateur Charles Ginesi, qui était sur la place, qui faisait le tour de tout le monde, il savait tout le monde, et puis il leur dit alors l'extrait qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de le faire en haut de l'œuvre. Mon fils va prendre la place de maire. Comme il était moyen de séance par ce membre du conseil municipal, et que si un des témoins de la peine pourrait assurer mais le contraire qu'il lève le doigt dans cette salle, et la peine est véridique, et mérite aujourd'hui d'être racontée, ben forcément c'est lui qui occupait le fauteuil de maire à l'ouverture de la séance. Alors il y a eu une candidature, une seule, celle de Charles Gilles, et l'unanimité du conseil municipal. Et lorsque le doyen de séance, le sénateur maire honoraire de Péron-Bamberg, a proclamé le résultat, il s'est réassis, on s'en protège. Donc bien, ça a été très difficile pour qu'à un moment il se lève et il se protège pour faire proclamer une. Et cette scène méritait malgré tout ce soir d'être racontée parce qu'elle est à la fois le témoignage d'un lien filial, d'un moment d'affection, d'amitié partagée puisque vous m'aviez convié à partager en tant que député de ce merveilleux canton de Guillaume à cette cérémonie d'élection du maire de Béot. C'était en même temps extrêmement émouvant, je veux le dire et je l'ai gardé au plus profond de moi-même. Bon, derrière, arrive 2003, première élection cantonale, 2010, enfin chaque fois, l'élection systématique au premier tour au Conseil Général, là où dès 2003, je suis devenu le premier vice-président du Conseil Général. Voilà, on pourrait dire donc que ce sens du service public, sur presque revendiquer d'avoir reçu en héritage, mais ce serait perçu d'une réalité que j'aurais assis en français pour un serviteur de la République. L'important, ce n'est pas la première élection qui peut être le produit de différentes choses. Non, ce qui est important, ce sont les élections suivantes. Quand elles sont perdues, alors oui, on peut douter. Et quand elles sont gagnées, alors le hasard n'est pas. Et telle fois, en chacune de ces circonstances, ça nous fait combien. Tu as conquis tes amis. Tu as réussi à recueillir cette confiance. Confiance et tes reconnaissants de tout ce que tu as su bâtir. Cette action au service de tous, tu l'as manifestée dans d'autres mandats d'ailleurs. Puisqu'ensemble, nous nous sommes retrouvés au Conseil régional en 1998. Nous nous sommes battus pour défendre le département des Alpes-Maritimes contre une grosse adversité, mais nous avons malgré tout réussi à défendre à Marseille de très beaux dossiers, dans une majorité, pas cette majorité que l'on qualifie de relative. Cette action au service de tous, elle se manifeste quand par trois mandats, je l'ai dit, à l'Assemblée qui a siégé au Palais Bourbon,
Et je veux dire avec quelle énergie, que ce soit lorsque tu m'as remplacé entre 2005 et 2007, ou alors ensuite vous êtes retrouvé avec Eric à partir de 2007, tu en as témoigné tout à l'heure, tu t'es battu pour défendre toutes les réformes qu'il faut qu'aujourd'hui, en matière d'aménagement du territoire notamment, de ruralité, de défense de la montagne, de bonne excellence rurale, de couverture numérique de notre territoire, de la filière agricole, en saluant Michel Dessus, le président de la Chambre d'agriculture, qui est partout comme des élevages extensifs dans notre département, le combat mené contre le problème posé par les grands prédateurs, en même temps que la défense de notre biodiversité au cœur du parc national du Mercantour. Sur tous ces sujets, Charles, tu as mené une action tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle aussi par ta vision du tourisme de montagne. Et lorsque nous voyons comment Valère aujourd'hui est équipé, comment tu as participé, après Charles, avec moi, avec Eric, à ce qui fait qu'à travers nos syndicats, nous permettons à nos saisons d'hiver d'être ce qu'elles sont. J'ai ouvert tout à l'heure, mes amis, les championnats du monde et mondiaux de patinage artistique. Avec le président Chimpoff, avec le président international de la Fédération de patinage, au palais des expositions. Nous étions avec une équipe de France, Brian Hubert, Pechna, etc., etc. Et Soya Bonani, qui en est la marraine, et qui est notre niçoise, un peu gilétoise d'ailleurs, je crois, mon cher Gary. Et président Chimpoff, Didier Gaillaguet, président de la Fédération française, qui nous dit, oh là, 29 degrés, sur cette terrasse de l'hôtel devant le palais des expositions, où il y a une arène de 4000 places, qui est tout à fait exceptionnelle, 300 journalistes accrédités du monde entier, puisqu'ils étaient là pour notre conférence de presse. Il dit, mais dites-moi, chez vous, c'est l'été toute l'année. Et je lui dis, écoutez, si vous voulez, monsieur le président, vous montez dans ma voiture, tout de suite après le point de presse. Ils vous amènent à Valère, ils vous amènent à Isola de Libre au Rhône, ou à la Cognac, et il n'y a pas de problème, on change en ski. On fêtera d'ailleurs les 50 ans d'Isola de Libre le 7 avril prochain. Ce chi ou Vancouver, ça ne nous impressionne pas du tout, pas du tout. Les mondiaux de patinage artistique à Nice, et puis la semaine dernière, ma chère Thérèse, c'était quand même les championnats de France cadet, des centres, Super G, Géant, Combiné, etc., sur les pentes d'Oron, et lorsque j'expliquais ça, personne n'en revenait entre la baie des Anges et les signes du Mercantour, que nous soyons cette terre d'exception. Et je dois dire qu'à toute cette politique qui nous permet aujourd'hui, lorsque mes jeunes ferment, parce que mes jeunes n'est pas musclé comme nous le sommes, de revendiquer que grâce à cette politique d'enneigement artificiel, grâce à cette politique de remontée mécanique fluoratrice, grâce à cette politique d'ouverture de nouveaux domaines fiables, et qu'en même temps, cette politique d'hébergement que tu as soutenu de toutes tes forces, dans l'ensemble de nos stations, aux côtés d'Éric, en assurant cette continuité après celle que nous avions initiée Charles et moi, eh bien oui, je crois que si la République doit être bien redevable à quelqu'un pour tout ce que je viens de rappeler, et il y en aurait tant d'autres encore à faire ce soir, c'est de ceci. C'est bien sûr ce que tu as fait pour Valère, c'est ce que tu as fait pour tous les États de la République, pour son équilibre, pour la justice et l'équité pour chacun, pour qu'il n'y ait pas un seul de nos concitoyens, quel que soit le territoire sur lequel il se trouve, qu'il soit privé de justice et d'équité, et qu'on donne toujours plus à ceux qui ont moins, notamment en matière de services publics en milieu rural. Voilà ce que je souhaitais rappeler en cette circonstance. Alors je remercie bien évidemment Charles, je remercie Georgette, je remercie toute la famille, mais je veux associer à tout ça Geneviève, qui t'a toujours si admirablement accompagné. Je veux remercier ce qu'il y a de nouveau dans une famille et qui donne la force à notre politique de continuer à avancer et qui sont ceux aussi auxquels on a envie de léguer
les valeurs de la République que nous énonçons pour qu'à leur tour ils puissent relever d'autres défis, je dis bien d'autres défis de la vie. Et donc je pense à Marie-Claire, je pense à Marie-France, je pense à Marie-Amélie, qui, avec elle, forme autour de toi des parents, cette famille extraordinaire, à laquelle le département des Alpes maritimes doit tant en cette circonstance. Dans cette salle du palais Sartre, où se sont tenus, mon cher Charles, à partir de 1871, les premières réunions de l'Assemblée départementale et du Conseil général des Alpes maritimes, je suis heureux que ce soit ici dans quelques instants, de plus se remettre les emblèmes et les insignes les plus élevés de la République française. En tout cas, mesdames et messieurs, chers amis, vous savez, dans un monde où il y a tant d'anonymat, tant d'individualisme, tant d'égoïsme, si peu de respect et d'attention pour l'autre. Et qu'en même temps, il y a des gens qui sont capables d'accomplir de grandes choses et qui méritent le respect et l'admiration. Je veux le dire, mon ami charmant, fait partie de ceci. Fait partie de cette génération, sans doute à un moment où la vie civile est encore plus difficile qu'elle ne l'était, parce que nous sommes sous les feux des projecteurs en chaque instant, et que rien ne nous est épargné. Et donc, je voudrais lui dire du plus profond de mon cœur combien je suis fier, aux côtés d'Éric, ensemble nous lui remettions les insignes de la République. Et je veux que vous soyez tous associés. Je crois que tous les élus du département de l'université sont là ce soir, et en même temps, tous les grands acteurs de ce département au plan économique et social. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous auraient souhaité s'exprimer, comme Éric et moi-même avons eu le privilège de le faire. C'était notre privilège. Et qu'en même temps, puisque c'était notre privilège, acceptez tout simplement qu'en votre nom à chacune et à chacun d'entre vous, nous puissions témoigner à Charles Ginetti toute notre reconnaissance, toute notre esprit et plus encore toute notre affection. C'est le temps national numérique qui est la grande distinction nationale que nous avons en France et que nous avons des autres pays. Je parle de la Légion d'honneur. Nicolas Sarkozy, dans cette même salle, avec Vétel Fosy, avec Eric, avec mon père, beaucoup d'entre vous, ils me remettaient effectivement l'ordre national du mérite dans le grade de chevalier. Aujourd'hui, c'est la plus haute distinction que l'on reçoit. Et je veux la partager avec vous. La partager d'abord avec mon père, qui a eu la carrière que Christian et Eric viennent de retracer. Qui a eu la carrière que vous toutes et vous tous connaissez. En saluant ici les parlementaires, les sénateurs. Et c'est vrai qu'il me fait plaisir de voir nous les sénateurs avec qui j'ai pu participer à cette campagne sénatoriale qui a certainement laissé des traces et qui, dans ma mémoire, est très importante et est une étape qui a marqué ma vie politique et ma vie publique. De saluer les nombreux conseillers généraux, je ne reviens même pas sur les noms de tous ceux qui sont là, mais c'est vraiment pour moi très réconfortant de les voir aujourd'hui ici rassemblés à l'occasion de ce que je considère comme étant un nouveau tournant dans ma carrière publique, dans ma vie publique, et puis tous les membres mêmes. Et quand je parle au maire de Grasse, au maire de Lagos, le maire de Grasse, que je veux souligner, est venu avec ses fidèles porte-drapeaux, qui a tenu à être ici avec son drapeau personnel, je l'en remercie. Je veux dire à mon père qu'il m'a élevé, éduqué, instruit,
avec les principes de l'instituteur de l'époque, les principes de vie, de rigueur, de moralité, de gestion de la ressource publique. Je veux lui dire toute ma reconnaissance et un grand merci de m'avoir donné, même si quelquefois ça a été dur pour le fils que j'étais, d'entendre un père aussi pesant vous raconter les leçons de conduite, mais j'ai bien mérité ces leçons. Je veux le partager avec ma maman, qui m'a donné tout l'amour de ma mère, depuis ma petite enfance. Jusqu'à aujourd'hui, il me regarde toujours du coin de l'œil cet amour maternel. Je veux leur dire à tous les deux que cette médaille, je veux la vivre et la partager avec vous. Je veux la partager avec ma femme, qui m'a accompagné sur ces 30 dernières années, dans des moments pas toujours faciles, et qui m'a encore accordé le temps et le temps disponible pour m'occuper de la chose publique. À mes filles, qui ce soir sont toutes les trois réunies autour de la famille, combien vraiment je suis heureux de vous avoir avec moi. Combien je vous demande en cet instant de partager vos intimités, parce que je sais aussi que l'amour d'un père et l'amour que j'ai pu vous donner, j'aurais pu vous en donner encore plus, mais je vous ai donné tout ce que j'avais. Et ce soir, véritablement, vous êtes à mes côtés pour me soutenir dans cette mission publique que je continue à conduire. Merci de votre remerciement. Henri, Dominique, et tous les autres, et vous tous, qui êtes venus ce soir, soit dans des fonctions officielles, les représentants des collectivités civiles et militaires, dans des relations qui sont toutes devenues des relations amicales, combien votre présence me réchauffe le cœur et m'encourage à aller encore un petit peu plus loin. Et puis, en retournant vers Eric, je veux lui dire combien je suis heureux aujourd'hui d'être à ses côtés et du témoignage de conscience qu'il m'a accordé en me reconduisant au premier président du Conseil général, poste que Christelle Frosy m'avait déjà confié, et de lui dire que je suis fier de continuer à travailler dans son équipe avec l'ensemble des conseillers généraux, parce que tu continues à bâtir, à construire avec l'Assemblée départementale un beau département. Merci Eric d'être ce si brillant président du Conseil général. Merci Eric, parce que tu as bien dit tout à l'heure que cette décoration, cette honneur qui m'est fait par la NC, m'a été accordée par le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Mais Claude Guéant n'aurait pas pensé à s'en imaginer si Eric Ciotti ne l'avait pas sensibilisé en lui disant j'ai autour de moi quelqu'un qui mérite cette distinction. J'aimerais bien, monsieur le ministre de l'Intérieur, que vous souteniez cette distinction et que vous puissiez ainsi l'obtenir auprès de la chancellerie. Merci, Eric, de ce témoignage. Et cette fois qui a accepté et qui a bien voulu me remettre cette décoration officiellement, aujourd'hui, dans ce palissage. Où Eric Ciotti nous a convié, nous a invité et l'a mis à notre disposition. Christian lui a précédé dans cette fonction, c'est que dans la suite, et il l'a dit de ce que mon père a fait, mais c'était déjà il y a 20 ans que le temps passe vite, 2003, 2013, ça fait presque 10 ans que mon père a quitté la scène, et pendant ces 10 ans, Christian a construit le père des grandes choses. Christian a poursuivi, il l'a dit. Il nous a aidés en montagne avec la création des syndicats. Il nous a aidés avec le partenariat en tour, certainement. Il continue à avoir une mission ensemble de cette montagne. Il nous a donné les moyens au niveau de la culture, mon cher. En plaidant notre cause auprès de Michel Barnier à l'époque pour faire que ce département soit un département leader,
et il a programmé le développement d'un certain nombre de secteurs. Tout à l'heure, il évoquait la pénétrance du Canada, mais on pouvait aussi rappeler la RN2202, la 6200. On pourrait rappeler l'opération d'intervention, on pourrait rappeler la création de l'aéroport, on pourrait rappeler un certain nombre d'actions et d'aménagements qui ont été faits par le pandémie. Christian le produit, poursuivi aujourd'hui par Eric Ciotti, donc on peut se réjouir parce que ce département, eh bien, c'est l'association de la montagne avec la mer, c'est l'association de ce grand territoire qui reste à aménager et qui est porté par cette population et la richesse du littoral avec une caisse de péréquation qui s'appelle le Conseil général, mon cher Eric. Alors, je suis fier d'être à vos côtés, au-delà de ce que nous avons vécu les uns et les autres, dans nos moments un peu plus où nous avons porté ça et son intérêt de soutenir sur les aides de la galerie, où nous faisons un grand plaisir de sortir avec les gens un peu plus fort que l'ordinaire et en se mettant sur la voie arrière. C'était une de ses spécialités. Et puis, je veux dire que plus tard, on a parcouru cette belle montagne de l'ensemble des Alpes-Maritimes et qu'aujourd'hui, c'est vrai, on n'aurait pas parié un copain sur le fait qu'on puisse se retrouver au Palais Sage et que se remettre à la Légion d'honneur à ce jour dans de nouvelles fonctions, dans des fonctions extraordinaires. C'est pour moi vraiment un honneur et en même temps, c'est de l'encouragement. Alors, je vous ai dit que je ne sortais pas mon discours, c'est parce que je vous en trouvais pour une demi-heure. Donc, plus en partie de l'an. Mais sans même pas oublier que le parcours qui a été le mien ces 30 dernières années, c'est vrai en commençant quasiment de zéro, président du comité des fêtes, et puis de gravir les échelons petit à petit, m'ont amené au poste de responsabilité que j'en ai bien aujourd'hui, et que cette décoration, cet honneur que la République me fait, m'encourage encore plus à aller demain, avec votre soutien, avec votre volonté, avec le travail que nous pouvons faire ensemble, et bien dans un engagement pour les échéances qui arrivent, électorales, avec les échéances présidentielles, et celle-là, je la laisse pour ceux qui sont déjà à nous concourir au comité d'un vétéran, mais il y aura des élections législatives, et là, j'ai à cœur de poursuivre ce que depuis 3 ans, avec tous mes amis qui sont présents, j'ai engagé. Merci de votre présence.